Ok, me revoilà. Je vois que les chansons sont en train de charger. Ah non, c'était juste la fin d'une chanson en fait. Hop, on remet au début. Et alors attendez, 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 attendez. La musique de Dark Souls, non, je la remets pas. Petit switchage d'affichage. Et on est reparti. Voilà, c'était le son du jeu que je voulais remettre. On est reparti. Dernière ligne droite, je finis probablement à 2 h. Voili, voilou. J'aimerais bien la tuer avant, mais j'ai des doutes. On y croit. En PLE, tu peux la taper à 3 moments save quand elle fait l'explosion après le tourbillon, quand elle tape avec ses 2 armes au sol et après qu'elle ait dansé. D'accord. Le chevalier devant la danseuse te loot un bon stuff contre elle pour éviter le one shot. Ouais, bon, non, on va y aller comme ça. Salut Kaboer. Que s'est-il passé? Bon, on a commencé le Renaissance 1, ça se passe plutôt bien, sauf ce boss. Mais c'était prévu que ça se passe pas bien. C'est chiant. Tout va bien, pas de panique. Ah bah non. Oh non, vas-y! Ouais. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, facile. Comme contrainte, c'est un Renaissance 1. C'est déjà bien comme contrainte, je pense. Oh non! J'étais persuadé d'avoir le temps. Bah j'avais pas le temps. Oh là là. Ça devrait aller, on ne devrait pas confondre. Oh, une fois que j'aurai fait ce boss à ce niveau-là avec une arme plus 2, je pense que le reste du run, je me dirais, je galérerais, mais je me dirais c'est pas impossible.
SL c'est soul level, ça veut dire qu'il est niveau 1. On y croit. Non mais faut arrêter. Ah, c'est bon, ça suffit. On y retourne. C'est pas souvent ça. Mais c'est encore une fois, je suis pas souvent loin. Qu'est-ce que tu vas faire? Pile au moment où je fais l'attaque, elle fait cette animation et t'as même pas le temps de faire une petite roulade arrière, quoi. Hein? Il y a pire à faire une run au bouclier. Probablement, oui. Ah oui, il y a pire que des run SL1. Hein. Apparemment, faire des dégâts dark sur ce boss, ça aide énormément. Tu devrais avoir une arme plus 4 minimum. Ouais, mais justement, c'est ça. Tout le monde le fait, plus 4, c'est facile. Ok. Allez, viens. Allez, viens! Ah, j'ai cru qu'elle allait refaire une attaque. Ah, c'était bien. C'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Mais roule! Oh non, j'ai roulé, vas-y! On voit le tout petit début d'animation en plus, quoi. Je te... Salut Mordoc. Non mais je la mindfuck en P2, en P1 on va pas la mindfuck. Quoi. Et en P2 elle me mindfuck à travers la colonne aussi. Ah oui, tu peux la parier, tu peux le parier ce boss? Faut que je teste. Non mais je me fais one shot, je rate ma parade, c'est la mort. Quoi. Ah, j'aurais le tap les mauvais extérieur, pas mal. Pareil.
Non, là, j'étais un peu plus loin. Ah, c'est chiant. J'ai dû louper des fragments pour avoir le plus 4. Non, tu me... Pff, on n'est pas assez intime. Non, non, je le fais. J'ai pas pu louper autant de fragments de ça, Kalitsa. J'ai quasiment tout fait dans le jeu, là. Je vois pas où tu veux que j'ai frappé. J'ai loupé le fragment. On est mort. Dommage, dommage, le fight était pas trop moche. Avec l'exécution végétale, t'auras un meilleur regain de stam vu que ça se cumule avec l'anneau. Pourquoi tu rushes pas pour le chercher et revenir au boss ensuite? C'est vrai que je voulais faire ça. C'est une très très bonne remarque, ça. En plus, j'avais dit que je voulais le faire dans ma tête et je l'ai jamais fait. Donc oui, on va faire ça. Ça va prendre 2 secondes. Il est tout simple à choper. En plus, je m'étais dit dans ma tête, je vais le faire. J'ai complètement zappé. Du coup, attends, j'ai des trucs à aller chercher potentiellement. Ah mais non, il y a ça. Oh, j'avais oublié cette zone. Oh bah non, t'as pas le droit de me faire ça. Ah oui, non, mais je pensais que j'étais au feu juste à côté, moi. Est-ce que je peux faire toute cette zone en rushant? C'est quoi le loot derrière? Pas des fragments ou des je sais pas quoi? Ah, puis il y a un truc à choper ici qui est important, je crois. Non, je pense que je meurs si j'y vais là. Sinon, l'anneau d'Estus est si utile que ça, vu ta vie. Bah, pour l'instant, je me full heal pas avec, donc oui. Alors. Là, il y a un ouf. Je me rebuff. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient ou il vient pas? Il est reparti. Qu'est-ce que tu fais? Ok, ça c'est fait. Le magnifique hachoir, c'est noir même.
Et là, je crois qu'il y a une autre arme. Ouais, c'est la hache de brigand qui est utilisée en... sur un run, j'avais vu, mais comment il la met en fait? Parce que je peux pas la porter, la hache de brigand. Pourquoi il la met? Il doit la mettre avec un anneau plus 5. Je sais pas. Des tenues. Ouais, non, je sais que tu peux la faire saigner aussi. Hein. Mais le saignement, c'est intéressant quand t'enchaînes les attaques. Alors, soit je rush le feu. Et si je tombe sur le côté, je crois que les autres... Je le sens pas bien. Je le sens pas très très bien. Qu'un seul de mob ou il y en a deux? Vas-y. On va mourir, hein, je vous préviens. Mais le feu est allumé, donc c'est pas grave. Ah non, on va pas mourir. En deux mains, ça passe. Ah oui, du coup, c'est un mec quand tu joues une nana. Sentinelle l'œuf, ok. Oh, marrant. Ici, je sais plus ce que c'est, peut-être un petit fragment. Non, c'est une arme. Alors là, il y a du monde. Là, on peut aller ici. Eux, ils s'en foutent. On va faire gaffe au crabe. Et alors, l'écusson, par contre, où il est? C'est pas celui-là, je crois qu'il est derrière. Attends, il est où le crabe? M'a pas vu. Hein. Je crois qu'il est là-bas. Soit il est. Ouais, non, ça doit être lui là. On ne voit pas le crabe. Ok. Annerie du sexe opposé à ton perso, ça c'est cool. On a donc notre bouclier végétal. Combien pèse-t-il par rapport à... Alors on est à 85, il est à 89. Par contre il est plus lourd. Mais ça se cumule pas avec la Stanola normalement. Et on est à 31,8 par contre, là ça sox. Du coup, on va virer. C'est encore trop lourd. Ou alors je me mets à 70 et je mets une vraie tenue. Voyager. Si ça se cumule le regain de stam, je savais pas. T'as un nouveau toi, non? Et toi, t'as voulu aller piller tout à l'heure, mais je pense pas que tu sois revenu encore. Enfin, que tu sois parti, il faut des boss ou je sais pas quoi. Ah si, peut-être. Si, si. On est foudroyante. Ok, justement il a tenu de chevalier. Si j'étais à moins de 70% avec, je vous avouerais que je la prendrais. Ouais. Je crois que la tenue de chevalier c'est bien. Mais est-ce que je suis à moins de 70% avec? Je pense pas. Et du coup ça enlève l'utilité de l'anneau de Flynn aussi. Ouais, je l'ai fait, Walderon, je l'ai fait. En fait j'ai pas fait. J'ai juste pas fait la fin normale. Donc, on est à 30,6. Ouais, il faut que j'enlève le plastron. Quoi. Donc, je peux remettre ça.
27,8. Je vais voir un truc. Ça me fait gagner un point si j'enlève carrément le bas. À 25. Ça me fait encore gagner un point. On peut juste mettre ça à la limite. Je pense pas que les gants. Ah si, je peux mettre les gants aussi. Bon, on peut faire ça. Allez hop. Et du coup, niveau stabilité, il est moins bien que l'autre, par contre. Et pour l'upgrade, j'imagine que c'est des titanites scintillantes. Et donc, on voulait aller... non, ici. La Nautiline est un mystère, perso, j'ai jamais vu de boost de damage. Bah si, là, ils sont visibles. Ils sont visibles. Ils sont pas énormes, mais... Il y a 3,5 fins possibles au jeu. Disons qu'il y a une fin où il y a une petite cinématique différente selon si tu tues un PNJ pendant la cinématique ou non. Le run se passe très très bien sauf la danseuse où ça se passe pas du tout. Je suis loin de la battre en plus. Hein. Ouais, c'est parti. Vendu. Popo. Et on y retourne. Petit coup. On roule. Double coup. On s'en recule. On attend. On rush. Double coup. Ah bah non, le bois fait double coup. D'accord. Bon bah simple coup. C'est bien aussi. Petit coup. Petit coup. Oh mince! Ah, oh, je pensais. J'ai mal géré. Je sais pas, j'ai mal géré tout. Oui, j'ai recommencé le jeu. Non, il n'y a pas moyen de passer par notre chemin. Enfin, si, tu peux passer par notre chemin. Normalement, c'est un boss que tu fais beaucoup, beaucoup plus tard. Pourquoi j'ai enlevé du stuff pour être en dessous à 30% pour la roulade? Mais je sais jamais si c'est 30% ou 35% le roll. Mais j'ai eu l'impression que j'allais plus vite en dessous de 30%. Tu peux me tromper? Ouais, et après je pourrais farmer pour augmenter mon arme plus 9. Et ça, ça fera une très très grosse différence pour le run SL1. Donc je vais galérer sur un boss au lieu de... Enfin... Ouais. Il va falloir que je fasse... Je chope la note gun deer aussi, ça va être très compliqué. Ah! Non, je veux pas invoque, non. Crane en dessous de 30%, t'as juste une distance plus longue. Ah, mais justement, tu dois avoir une distance d'invulnérabilité plus longue, obligatoirement, si tu vas plus loin. Je sais pas.
Ouais, il est chouette ce boss sinon. J'ai pris un risque là parce que j'avais plus de stam. Ça sert à quoi de la mettre au sol si elle refrappe direct derrière? Hein? Moi je me suis dit c'est bien, je vais pouvoir mettre un coup, je crois que j'ai mis un seul coup quand elle était au sol. Pas gentil. C'est vilain. Ah, des gens qui ont testé la version jeu de plateau de Dark Souls demandent Yelena. Ben, je l'ai pas pour le moment, hein, Kilitz. J'ai déloqué le boss, reloqué le boss, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai fait ma roulade n'importe où. Et il y a, donc il y a absolument aucun avantage à être à 70% ou à être à 30%, mis à part la distance de roulade. D'accord, c'était bien ça. C'était très très bien. Non, je prends pas d'effigie. Même au niveau 23, j'ai galéré comme un porc à leur niveau 1. Niveau 1 sans mes trucs upgrade, hein, c'est ça aussi qu'il faut voir. Ouais, tant pis, hein, pas de buff. Hein. Je croyais qu'elle me laisse le temps de buff. Je vais pas tester. N'arrive plus. Ok. Trop loin. Ok. Très bien. L'habitude, ça. Ah, c'était ça, d'accord. On voit rien, c'est bon, on revoit. Phase 2.
Ah, vas-y, quoi. Mais je peux pas la porter, la hache de danseur abyssal. Il est 2h, j'avais dit que j'arrête à 2h, c'est con quoi. Non, je vais pas utiliser les braises, ça sert à rien pour le moment. J'en suis trop loin pour. Oui, je fais les boss optionnels, ouais. J'ai du mal à l'identifier sous certains angles, cette attaque-là. C'est bien passé ce travail. Ah. Paye ton freeze. C'est un énorme freeze, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais...
Voilà. C'est magique. C'est des épées qui passent au travers les piliers parce que les hitbox, elles sont bien faites, attention. Non, j'ai pas. Enfin, j'ai juste. Non, mais je peux le faire legit, la deuxième. Bah, si, j'étais derrière le pilier, mais. C'est magique. Mort. Pourtant, je devrais le savoir après cette attaque-là. Elle ne fait pas de follow-up sauf si je prends une popo. Pourquoi j'y vais pas en deux mains? Parce que le bouclier me sauve la vie au moins 5 ou 6 fois sur le fight. Donc je ferai un peu plus mal, mais. Phase 2, je pourrais au moins y aller en deux mains quand elle. Quand elle tourne. Allez. Voilà, là j'aurais pris une popo, il m'aurait fait un follow-up et là il m'en fait pas. Ça c'est un peu rien, c'est ce que tu fais. Je suis pas là. Chaque fois je me fais avoir pareil. Je crois esquiver son coup à ce moment-là. Bon allez. Fred, ce serait un vrai défi pour Crane à une run avec une arme à deux mains sans Vita. Tu veux dire la run que j'ai fait sur Dark Souls 2, une run sans Vita, sans armure, sans bouclier. Je l'ai fait full esquive, hein, le run Dark Souls 2. Mais là, une fois que tu joues bouclier, bah, tu t'apprends moins à jouer full esquive. Allez, Zouf. Prince plein, mais on se fait quand même des défis SL1 ou des no-def run, donc c'est que le jeu est pas encore aussi dur que ça. Bon, il est cool en tout cas, moi j'aime bien, moi j'aime bien. Bon allez, je vais m'arrêter là pour ce soir. La danseuse, ce sera pour une prochaine fois. J'espère que ce petit run SL1, ce début de run SL1 vous a plu. Le début du run s'est bien passé, juste la danseuse, j'arrive pas à la passer pour le moment. Il faudra encore plus d'apprentissage. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Hop. Je coupe le son de Dark Souls, je vous mets une petite musique de genre je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Dragon Quest, ça a l'air bien ça. Voilà, c'est parfait. Bonne nuit tout le monde, on se retrouve très très bientôt. Vous pouvez me retrouver ce soir à 21h sur ma chaîne perso. Normalement, on fait du Enter the Gungeon en duo avec Maudit, en espérant que ça fonctionne, parce que j'ai quand même un petit souci de souris qui décroche sur Enter the Gungeon. Mais bon, on va essayer de configurer tout ça. Voilà, je vous fais les bisous. Bonne nuit tout le monde. N'hésitez pas à faire un follow sur le Twitter, @crnjv.
nous un follow sur la chaîne perso, Crane_Live. Voilà, je m'en vais, j'ai plus rien à dire cette fois, j'ai fini la pub. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, faites de beaux rêves, tout ça, je m'en vais, ciao, ciao.